Hello tout le monde, c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui les amis, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, je suis de retour à Paris, ça fait extrêmement plaisir, retour des lives, du coup demain soir tranquillement, aujourd'hui c'est jour de mariage, en attendant je suis content de retrouver ce PC parce que l'ancien au niveau de la qualité vidéo, bon c'est très correct mais c'est pas du niveau de celle-ci, du coup ça fait plaisir et puis je lag beaucoup moins, je peux faire plein de trucs à côté, ouvrir des pages, bref c'est pas le sujet aujourd'hui, on va essayer de regarder si j'arrive à choper donc un nouveau familier monture montilier pour mon steamer. Je vous ai posé la question en fait il y a quelques jours dans la dernière vidéo où je jouais avec le steamer, justement dans la vidéo je vous demande est-ce qu'il y aurait mieux que justement ce cafarce, parce que le cafarce c'est très cool, ça donne 40 dommages de poussée, mais je savais pas si il me semblait qu'il y avait des nouveaux avec la refonte des montures et l'arrivée des volcornes, il me semblait qu'il y en avait qui étaient mieux, donc on va aller voir ça tout simplement, on va aller voir si c'est possible vu que dans les commentaires tout le monde me parlait du Volcorn roux, mais par contre je sais pas du tout si c'est disponible sur Fury. En fait je sais pas comment ça marche au niveau des avancées parce que je sais pas quelle génération c'est. Alors on va aller voir les amis, on va aller voir. Alors tac, Volcorn, donc c'est roux, donc c'est AR, et ben il est pas. Ah merde. Oh non, 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 aïe, 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 aïe. Bon, du coup, on va faire un appel. Si jamais quelqu'un vend un Volcorn roux sur Fury, eh bien, n'hésitez pas, je suis preneur avec grand, grand plaisir. Parce que j'aimerais tellement l'avoir, du coup, sur mon steamer. Je sais même pas combien on pourrait estimer. Alors, attendez, j'ouvre les Volcorn, là, 2 secondes, à gauche, parce que j'avais regardé un peu sur Internet. Alors, c'est Génération 3. Donc il y a la génération 1 qui est le truc classique de orchidée, ébène, indigo, pourpre. Donc orchidée, ébène, indigo, pourpre. Ensuite la génération 2, c'est le mix de ceux-là du coup. De pourpre et indigo, orchidée, machin, voilà. Tout ça c'est la génération 2. Ça c'est la génération 2 aussi, hein, orchidée et indigo. Ok, indigo, je sais pas quelle génération c'est ça, indigo, machin. Bah ça doit être... Bah non, il monte pas dans les générations 2. Peut-être que c'est quand même génération 2, je sais pas trop. En tout cas, il y a un petit peu toute la liste des montures. Bon, il y en a plein de toute façon. Ah oui, c'est les sauvages qui sont hyper chers. Ah ouais, ok, parce que c'est vrai qu'il y a les sauvages et les non-sauvages, forcément. Ok, et du coup, évidemment, le roux n'y est pas. Et il fait effectivement 60 dommages de poussée et 1 PA. Du coup, si j'obtiens ce Volcorn, je pourrais basculer avec, en fait, retirer par exemple le remueur. D'ailleurs, en fait, je peux mettre un ocre à la place. Il y a des gens... Ah mais non, je suis trop faible. Oh non, c'est 160. Attendez, je suis level combien là? 159 et il me reste que 15%. Et il requit 3 millions. Bon, de toute façon, je pourrais mettre le Volcorn. Écoutez, ce que je vais faire, c'est par exemple guild. Parce que je crois que j'ai 90% guild. On va mettre gérer les droits. On va être 0, voilà, comme ça on le fera et on va up je pense sur 2 collines ou un truc comme ça. On va partir et c'est vrai que même à la place du nomade on pourrait mettre le Vulbis. C'est 160 aussi. Ah non c'est 100. Peut-être que le Vulbis c'est pas mal, ça augmente de 10% les dégâts, ça peut être plus intéressant. Et même si on perd un petit peu de vita, le ocre ça nous donne un PA supplémentaire. D'ailleurs, est-ce que je peux mettre 12 PA avec ce stuff? Je pense que oui, en fait c'est que c'est le bon écho qui me retient un PM. Je me disais, c'est marrant parce que j'ai la Karnak qui fait justement un PM. Ouais, ouais c'est ça. Ok, donc c'est pour ça qu'on est en 11, mais techniquement là si je mettais un ocre, ça me fait... Ah non je peux pas, ah oui non mais non, je suis bête. Ah, à chaque fois je crois que je suis level 160. Mais... je peux passer, je pense, sans problème. D'ailleurs, écoutez, bon, on va faire un... J'ai accepté le combat 1v1, donc on va faire un 1v1. Et ensuite, je partirai bien en 3v3, parce que ça fait super longtemps que je m'avais de 3v3 avec ce petit perso. Surtout que pour les ligues du Coliseum, c'est que en 3v3, en gros, moi, je pense que je vais faire beaucoup, beaucoup de solo queue. Donc, de solo queue, hein, ce qu'ils appellent la solo queue, c'est juste de s'inscrire seul pour faire un combat. Parce que, tout simplement, bah, on rencontre plein de gens, et puis on voit plein de fails, etc. Alors, on va dire hello, et on affronte un steamer. Donc, on commence avec un steamer contre un steamer qui s'appelle Lolicon Plex. Et du coup, bah, let's go, hein, tout simplement, on y va. J'ai pas grand-chose de plus à mettre sur mon stuff, hein, je veux dire... j'ai pas grand-chose de plus à faire. Et du coup il a 38%. What the fuck? Il a moins 28 de résistance de poussée. Attendez mais je vais lui faire... je vais le tabasser. Il a 38 quand même % résistance R. Donc moi j'aurais bien aimé taper terre pour le coup. Là ça aurait été un peu plus intéressant. Bon j'ai 3600 points de vie, il en a 4200. Donc il a 600 points de vie plus que moi. Mais ok il se cuirasse. Il évolue tranquillement. Bon lui de toute façon il va aller se cacher dans son petit coin hein, sa logique.
Il va préparer un petit peu ce qu'il faut. Je pense que ça va me coller des sacrées tartes. Hein. Bon, nous, on va mettre une tacti, hein, de toute façon, hein, c'est ça. Hein. On fait tacti, transi... Oula, attendez, hop, écoutez, je vais faire la transition ici. Voilà, ça pour l'augmenter. Ensuite, on fait juste un scaf, une longue vue. On se met là. Et voilà. Et normalement, au prochain tour, comme d'habitude, on peut faire la transition. Est-ce qu'il va s'avancer? On peut faire la transition. Et par exemple, s'il se met ici, hein, je donne un exemple. D'accord, il se met pas du tout. Il se met pas du tout ici. Ok, une foreuse qui va pouvoir me taper un petit peu. Ah, il s'avance, c'est chaud quand même. Alors, attendez. Moi, je vais pouvoir faire ma repose sur l'autre côté, c'est pas trop mal. Ok, je vais essayer d'aller me cacher, en fait, parce que j'ai un petit peu peur. Hein. Je vais pas vous mentir, j'ai un petit peu peur. Ouais, 276, ça donne. Et là, elle tape à combien, elle? 492. Oh, aïe, 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 ça fait super mal, c'est un truc de ouf. Alors, est-ce que j'aurai la PO si je me décale? Je pense que oui, de toute façon. Voilà, on va faire ça. La longue vue dessus. Tac. Et je vais mettre une gardienne directe. Hein. Je pense que c'est vraiment intéressant de mettre la gardienne pour l'instant. Ok. Il va pouvoir s'approcher. Mais bon, je suis quand même un petit peu protégé. Ça va, franchement. Je suis assez protégé. Alors, bon, ça fait quelques petits dégâts. Et là, ça va faire du 330. Donc, sur le petit... Batiscap, il a perdu 600. Oh, aïe, 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 aïe. Ma pauvre tactique, j'aurais dû armure de sel largement. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'elle prend cher. Ah, ça fait chier ça. Hein. Ah là 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 là. Ah, c'est compliqué là, la tactique. Je vais devoir attendre un tour encore pour la reposer. Aïe. Ça va être dur là, je pense. Hein. Ça va être compliqué. On va essayer de s'en sortir quand même. Hein. C'est pas trop grave. Mais... Trop triste. Pour l'instant, du coup, j'ai pas de possibilité de le pousser. J'ai pas de possibilité. Est-ce que je m'avance? C'est trop dangereux, je pense, de m'avancer. En fait, je me dis que si je m'avance, bah lui, il va me retourner le crâne. Hein. Il va taper super fort. Hein. Ouais, après, je peux... Pour l'instant, je peux me longue vue. Je peux faire quelques petits dégâts, voilà. C'est pas... Oui, c'est pas extraordinaire. On est d'accord. Mais c'est toujours ça. Est-ce que je peux faire un ancrage? Oui. Et du coup, je vais faire juste une maîtrise. Non, bon, je vais me remettre ici, je vais me faire une maîtrise. Même si je doute que je m'en servirai, c'est pas trop grave pour l'instant. Ok, donc c'est mon harponneuse qui est là-bas. Ah ouais, bon, là il va me tabasser. Hein. Ça va être horrible. Hein. Surtout que là, il peut me faire donc le petit embuscade. Donc il se booste évidemment. Oh là là, il va m'arracher la gueule. Oh. Fait tellement mal. Après, moi je vais lui faire mal aussi. Hein. Donc écoutez, vous savez ce que je vais faire? Je vais jouer en mode ballsy. Je vais juste... Il va me tabasser, c'est sûr. Mais moi, je vais lui faire très mal. Donc, je vais me baser sur ça. Et uniquement... Ah merde, j'aurais dû faire le armatant. Je suis débile, Pierre. Fais un effort. Pardon, excusez-moi. Tac, je me mets ici. On va quand même prendre le soin. Et je vais prendre l'émeraude. Donc là, il est à 2003, hein. Ok, 80. Coup, donc ça va. What the fuck? Le crit, les dommages crit qu'il a. Mais what the fuck? Mais laissez-moi tranquille, ouais, c'est fini, hein. Il tape beaucoup trop fort. Même si, en fait, même s'il a pas de... ce qu'il m'a mis 1400. Vous voyez, des fois, même si vous êtes pas... Enfin, il y a des fois des levels 200 où vous arrivez à les battre et tout ça. Mais là, il fait trop mal et j'ai pas assez de résistance. Hein. J'ai peu de résistance, en fait, sur le mode. Hein. J'ai pas vraiment beaucoup de résistance. J'ai 17, 34, 20, 6... Et 13, ouais, c'est vraiment léger. Bon, Assassin's Creed en 3v3, on va essayer quand même de faire un petit combat. Et puis on se dit dans quelques instants, évidemment. Et bah écoutez, j'ai trouvé direct. Donc on a même pas besoin d'attendre, hein, ça a trouvé instantanément. C'est bien, c'est nickel. C'est plutôt cool ça. Je pense qu'avec l'arrivée justement du Coliseum avec des ligues et tout en 3v3, je pense que ça va être très facile de trouver des combats. Il y a vraiment énormément de gens qui vont en faire. Surtout au début, ça va être vraiment, vraiment ouf. Je pense, ouais, faire un petit live à la sortie, ça pourrait être bien sympa, là. Puis on pourrait jouer avec certains d'entre vous et tout, ça pourrait être très sympa. 152, 156 et 166. Moi, je suis avec un 147 et un 161. Donc, Osamoda, Ekaflip, Kra, contre Ekaflip, Kra et Steamer. Donc, eux, ils ont un Osa, nous, on a un Steamer, sinon c'est la même compo. J'ai pas l'impression que mes petits potes soient opti. Ah, le Kra, il est en panoplie objet vétéran reward assez récent, donc voilà. Lui, il a pas de mini-biote. Après, franchement, ça n'empêche rien qu'ils peuvent, bien jouer, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Je vais m'approcher du Kra, moi, je vais aller lui péter les dents.
Je me mets près du Kra parce que l'Osamoda. Alors, combien il a de vie? 2500. Aïe aïe aïe. Ouais, il est pas du tout optimisé. Et notre petit Kra, il est en 12-6. Lui, il est en 11-4. Lui, il est en 11-6. Et lui, il est en 10-4. Ok, donc globalement, je pense que l'Osamoda doit être optimisé et les Kra aussi. Et notre Kra a l'air très correct. Et notre écart un petit peu moins optimisé. Mais c'est pas grave, c'est vraiment pas grave, les gars. C'est vraiment pas grave s'il y a un manque d'optimisation. C'est pas le plus grave. Ah, ok, le Kra a pris l'initiative sur moi. Merde. Dommage, dommage. Parce que, tout à l'heure, j'ai pas vu en fait. Je jouais juste après l'Osamoda. Bon, d'un autre côté, je peux aller le taper vu que c'est les cas qui jouent avant. Faudrait juste que le Kra me fasse un petit tour sympathique. Et moi, si j'arrive. Ouais, je sais pas trop. On va voir comment ça se passe. Il a tapé quand même assez fort, honnêtement. Du petit 272x2, petit 500 de dégâts, avec le bouffeton derrière. Mais franchement, il est déjà low, hein. Franchement, il a pris hyper cher. On va voir si ça paye. Ok, le Kra, en fait, on va quasiment le tomber, je pense. Je le tombe pas quand même, mais presque. Je dis ça, mais il s'est pas boosté, il s'en fout. Tap, tap, attends, je vais lui dire. Ouais, c'est bien. S'il peut lui faire quelques petits dégâts supplémentaires. En fait, ça dépend ce que l'Eka Flip va faire. Est-ce qu'il va aller plutôt sur moi, plutôt sur l'Eka, sur le Kra. Parce que le Kra a pas beaucoup de vita. Ok, moi ce serait bien que j'up, comme ça je pourrais passer 160. Enfin, que je gagne le combat, comme ça on pourrait passer 160. Je pense qu'un colis en 3v3, ce level, ça doit donner 3 millions d'XP peut-être. Je sais pas. Non, c'est peut-être 10% du level. Je sais plus, les gars, j'ai une... une bonne question là. Ok, il va se faire rouler, je pense là. Aïe, 360, ça va. Il a 30%, donc c'est correct. Et 278, ok. Bon, ça va, on s'en sort. Alors là, moi je vais y aller sans passer carte par 4 chemins. Bam, et on va lui faire double torpille. Est-ce que un crit... Non, je pense pas que ça lui inflige 200. 126. Et il a quitté la partie, what the fuck. Oh là 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 là. Bon, c'est pas du tout fini, hein, parce que le Samoda, à mon avis, devrait quasiment tuer les cas flip, je pense. Ah, quoique non, s'il arrive à se barrer un petit peu à distance. Il a tué le bouffetou en plus, c'est pas si mal. Bon, le Kra aurait fait un tour, il m'aurait coûté, bah, je dirais... 4 PA de plus. Après, ça dépend. Les cas auraient pu le champ. Si, ça aurait peut-être changé la donne. Après, peut-être pas énormément non plus. Parce que les cas flip n'auraient pas pu le toucher, je pense. Ah, quoique. Je réfléchis à ce que les pilous à cette distance. Non, je pense pas que les pilous soient assez bons à cette distance. Ok, il booste. Il booste un petit bouffetou. Il fait une petite piqûre motivante. J'aime bien ce sort. Il est sympa, l'animation là. Le petit mosquito qui arrive dessus. Ok. Alors. Le bouclier qui est mis sur le bouffetou. De toute façon, il est vraiment basé là-dessus. Hein. On attaque qui maintenant? Bah, qui tu veux, l'ami? Qui tu veux? Je sais pas. En vrai, je sais pas parce que Leka, je suis assez près de lui. Je peux peut-être essayer de sauver Leka Flip. Je peux essayer de le sauver en vrai. Hein. Si je lui fais. Ah, il prend tellement cher. Je pense que Leka le finit. Vous voyez, c'est pas du tout fini, hein, l'Osamoda. C'est fort comme classe. C'est vraiment super fort. Hein. Eka, je vais lui dire Eka. Eka. Parce que vaut mieux qu'on aille sur les cas. Alors par contre, j'attendais, j'ai pas le son. Je vais essayer de le remettre. Voilà, c'est bon, ça marche. J'ai bug de son, je sais pas pourquoi c'est pas réglé ça. Ça fait tellement longtemps. Ça devrait être réglé tout ça. Il retire des petits PM. Ah, c'est bien. Ok, si le Kra, à la limite, je vais pas pouvoir, je pense, sauver les cas. Mais si jamais... ouais, il va se faire tuer là, il va y aller. Hein. Quoi? Il y va pas? Bon, qu'est-ce que je peux faire pour le sauver, sérieusement? La question c'est, est-ce que je passe tout mon tour à essayer de le sauver, ou est-ce que je pousse juste... Ouais, je pense que je vais pousser le... Ouais, je vais pousser le... L'Osamoda. Ok, 2 PA. 2 PA, c'est pas si mal, hein. C'est pas si mal. Alors, écoutez, ce que je vais essayer de faire, c'est juste de pousser l'Osamoda. Donc là, par exemple, je viens ici. Je mets ma tactirelle ici. Voilà. Je la transition. Comme ça, elle va être boostée. Là, je vais pas pouvoir le toucher, lui. Hein. Ni avec l'armatan, ni quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Ça, Aspi. Je suis à speed 4. Je vais juste me faire ça. Le longue vue pour le prochain tour. Je vais me cuirasse. On va la protéger avec une armure de sel. Et on va mettre ça ici. Alors là, c'est juste pour gêner un petit peu les K-flips. Pour qu'ils soient emmerdés, hein, tout simplement, c'est tout. Ok. Voilà, et là, les cas peuvent faire... Il peut faire un gros tour dessus, juste avec un esprit félin.
Voilà exactement ce que je voulais qu'il fasse. Et là, il peut faire bah, n'importe quoi qui lui fait quelques petits dommages. Il peut se chance, contre-coup, ce genre de truc, vous voyez? Ah bon, lui, il veut taper, ok. C'était pour ça que je voulais pousser le Samoda. Peut-être que mon tour était pas... Bon, il était pas du tout optimisé, en vrai. Mais au moins, ça a permis de faire quelques dégâts sur le Samoda. Je pense que le duel... c'est l'heure du duel, ça va être compliqué. Mais la musique revient! Arrête de bugger, là, l'audio, là. Voilà! Ok, donc là, il récupère la forme. Ok, bon, là, il le tue, hein, je pense. Wow, ça tape, hein. Aïe 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 aïe, ça va être très dur, hein. Ça va être vraiment très dur. Hein. Parce que le bouffetou va commencer à aller sur moi, là je vous avoue. Oh là là, il y en a un autre qui arrive. Oh putain, l'enfer. Aïe 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 aïe, ça va être horrible, je pense. Hein. Ouais, il le tue hein, avec une canine même. Ok, lui le bouffetou pourra pas aller jusqu'à moi. Le bouffeton pourra pas aller jusqu'à moi. Lui, il tape sur le côté. Je sais plus à combien de PO il tape. Il va m'attirer. Oh là là, il va m'attirer pour que le bouffeton de gauche, là, celui-là, puisse m'attirer. Oh, et moins deux. Mais quel cancer, mais c'est une blague. Non, mais franchement, c'est vraiment... C'est vraiment cancer. Osamoda, c'est tellement au-dessus de tout, quoi. Surtout que là, il va mettre deux patates à 200 avec du retrait PA. Bon, ça passe pas. J'ai un peu de chance. Lui, il peut m'avoir d'ici? Non, il peut pas, là. Il manque un PO, je crois. Je vais devoir cleaner tout ça, là. Il peut m'avoir d'ici? Il a la PO là, sérieux? Ah non, ok, bon, ça va. Eh, franchement, vous me faites peur là. Par contre, là, il s'est auto-tué. Hein. Il est un peu bête pour le coup. Je détacle pas! Il a 67 de tacle! Quelle invocation du démon! faudrait aller sur les cas en vrai. Faudrait continuer sur les cas. Ouais, bon, pourquoi pas. Je réfléchis. Là, je peux faire ça. Transition. Quel est l'avantage? Parce que les Kaflis va forcément venir sur moi. Ok, il va aller sur le crâne. Ah ouais, il va le tuer. Oh, c'est dur, les amis, c'est dur! Je sais pas vraiment ce que je peux faire. Est-ce que la torpille la tue même pas, je pense? Ah, il tue forcément, il arrivera à s'en sortir. C'est dur, hein. Franchement, ça m'embête. Surtout que je détacle pas, donc c'est vraiment hyper chiant. Je pensais détacler, hein. Après, est-ce que je peux trouver une manière de faire des dopous sur tout le monde? Après, je perds qu'un PA. Je détacle, je pose une gardienne. Oh là, ça marchera pas, malheureusement. Faut que je le tue, les bouffetous. Ouais, c'est vraiment chiant. Faut que je m'écarte, hein. Faut que je m'écarte. Ok, ça va prendre un petit peu de dégâts. Il devrait mourir. Il devrait mourir, pas de soucis. Ok, il reste qu'un des bouffetous. Ok, il prend un petit poison. Donc il va essayer de s'en approcher. Est-ce que le crabe va pouvoir jouer, hein? Je suis pas sûr, hein. Ah, il va aller sûrement, ok. Bon, si le crabe peut jouer au moins un tour, c'est pas si mal. Surtout que là, il a une flèche, je pense, non, le crabe? On va voir. Mais c'est horrible, vraiment, c'est hyper fort! Qu'est-ce? Il peut invoquer des bouffetons à tous les tours qui retirent jusqu'à 4 PA! Mais. Ok! Sérieusement? Où est-ce qu'elle est la ligne de vue là pour lui? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Après 1, 2, 3. Allez. Ok. Ok. Il peut m'avoir, lui, il peut m'avoir. Le bouffeton là à 800, il peut m'avoir. Mais laissez-moi tranquille, monsieur. C'est trop fort. C'est dommage que ce soit aussi fort. Il peut m'avoir, il peut aller me toucher. Vous voyez ça? C'est... Oh mon dieu. Ça me fait tellement mal au cœur. La torpille, elle pousse de 4. Donc là, il sera pas poussé. Il reste 9 PA et la moitié de ma vie. Bam, à 450 et la flèche derrière. Attendez, je peux peut-être faire un truc là. Ça sert à rien. Je peux faire marée pour 3 PA. Transition 3 PA. Et après je peux faire en sorte de faire un maximum de dopous sur eux. Avec une longue vue par exemple. Qu'est-ce que je gagne? 25 critiques, ok. Bon, il va aller le tuer hein, normalement.
Il devrait me laisser tranquille. C'est dommage que je puisse pas le tuer parce que si je tuais l'Osamoda à ce tour-là. Ouais, je m'en sortais bien. Ouais, bon, là, il a 8 PA, faut pas exagérer, il va le finir. Sans problème. Quoi? Attendez, qu'est-ce qu'il fait? Okay, il le tue quand même. Il le tue, donc là, la marée, elle est ici. C'est ici qu'il faut la faire. Je fais une marée qui va lui faire un petit peu de dégâts, mais pas beaucoup. La transition. Comment je peux faire un maximum de dopu en me déplaçant là? Parce que je suis taclé, mais c'est horrible d'être taclé comme ça. Ici. Là. Ici, donc on fait longue vue forcément. Je crois que c'est ici, hein. C'est parce que je peux pas aller là, sinon ça aurait été ici. Ouais. Bah écoutez, c'est pas ouf, hein. Fais pas durer Steam, s'il te plaît. Ah bah ouais. Ça a pas fait de dopu au final. J'aurais dû me décaler sur le côté, ça aurait peut-être cleané les bouffetous. Mais bon, ça a quand même beaucoup trop de vie, hein. En vrai, là, ils peuvent pas me toucher. Vraiment, sérieusement. Si on réfléchit 2 secondes. Est-ce que j'ai moyen de... Mais arrête d'invoquer tes... Voilà. Est-ce que j'ai moyen de m'en sortir là avec le... L'Osamoda. Il va se prendre 150 de dégâts avec Marponneux. S'il se régène pas. Il veut pas lui donner du bouclier? Donne du bouclier là, donne-lui du bouclier. Faudrait pas que les Caflip le protègent. Est-ce que le chaton guérisseur peut y aller? Ouais, il a la PO là. Ok, il peut m'avoir, il peut me toucher donc. Pas de PA. Allez, c'est parti, 9 PA. Oh là 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 là, vraiment, pour le coup, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur, c'est vraiment dur. Je peux vraiment rien faire, quoi. Je suis tellement triste, quoi. C'est trop fort. On a gagné 10 fois XD. Ok. Bah écoutez, je peux pas faire grand-chose, mais c'est vrai qu'ils ont gagné 10 fois. Il va avancer la tactique, non? Non, même pas. Alors, bon. Je détacle pas du tout. Une roulette PM. Ah! Il va le protéger. Oh, il l'avance. Attendez, 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 sérieusement. Je peux pas faire un truc de ouf là? Non, je le tue même pas. Je le tue même pas. Ok. Je peux rien faire. Malheureusement, même si je pousse les bouffetons à l'autre bout du monde, j'arriverai pas à tuer l'Osamoda. C'est vraiment l'Osamoda qui me pose problème. En attente du joueur cinétique. Ah bah il a été soigné, ouais, par le chaton. Donc là vraiment je peux vraiment rien faire. Oh, c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud, hein. Je suis triste, vraiment je suis triste. Parce que je voulais, hein. Je voulais vraiment qu'il se passe des choses. Ouais, mais bon, ça ne se passera pas. Faut juste être poussé de toute façon. Ah, il a été tué quand même. Il y en a un qui a été tué. Ah, je vais jusqu'au bout, hein, les gars, jusqu'au bout. Hein. Ah, franchement, j'abandonne pas, j'abandonne pas. Je sais que je vais mourir, mais j'abandonne pas. Vraiment, c'est pas mon genre. Surtout qu'il a, ouais, il a le contre-coup, il a 34%. J'aurais peut-être pu m'en sortir s'il est... Ouais, il est AFK, hein, mais bon, si je le tue, ça change rien. Ah non, il est pas AFK. Il va réinvoquer un bouffeton, je pense qu'il a beaucoup d'invoques. Oh, c'est vraiment hyper fort. J'avais jamais affronté de ma vie un bouffeton, enfin un bouffetou level 150, un Osamoda level 150 qui invoque des milliards de bouffetous et de bouffetons. J'avais jamais affronté ça, mais c'est hyper fort, vraiment. Oh là là, il faut que je vois aussi tous les changements qu'il y a avec la mise à jour là, de la bêta. Je sais pas exactement qu'est-ce qui a été nerfé ou quoi, mais franchement, il y a plein plein de choses qui peuvent se faire. Donc on regardera ça en détail, on ira tester ça sur la bêta. Je crois que la bêta elle est fermée en ce moment d'ailleurs. Je crois qu'il y a plein de gens qui essayent d'y aller dessus, mais elle est fermée. Oh, je suis tellement triste quoi, ça me fait de la peine, les bouffetous qui me rocks la gueule quoi. Ah putain.
Et les bouffetous qui tiennent, les caflips qui jouent. C'est dommage. En fait, c'est dommage parce que mes alliés n'avaient pas beaucoup de points de vie. Le Kra il avait 2600. Je pense que s'il était monté à 3005 par exemple, ou à peu près comme moi, bah ça aurait été bah, plus accessible. Il aurait tenu un tour de plus et on aurait pu taper un peu, etc. Ok, il n'est pas fini. Jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout. Ah bah il me tue. Voilà, jusqu'au bout, je suis mort. Bon, bah c'était pas très glorieux, hein, moi qui voulais monter le L160. J'étais tellement content en plus de jouer et tout. Mais franchement, l'Osamoda, il a fait tout le taf. Hein. L'Osamoda, il a vraiment fait tout le taf. J'espère que vous avez passé un bon moment, en tout cas. Et même, et regardez, le mec a quitté la partie au T1. Et en fait, ça, ils ont quand même réussi à gagner. Donc vous voyez que c'était jamais perdu pour eux jusqu'à la fin. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée à toutes et à tous. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous aime. Bye bye tout le monde. Portez-vous bien et n'oubliez pas de liker, évidemment.